Ok. Là, tu vas me faire les mêmes quarts de tour. Mm-hmm. Est-ce que tu es prête? Ouais. Prête? Mm-hmm. Encore, encore. Waouh. Là, maintenant, je vais apprécier la bouche. Encore. Là, tu me tournes ça tout doucement. Ah. Chérie, arrête de me tapoter. Oh. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, aujourd'hui nous venons avec une nouvelle vidéo dans laquelle mon mari va noter mes tenues. J'ai hâte, Suzanne. Tu sais qu'il y a plusieurs de tes tenues que je n'ai pas encore appréciées. Donc ouais, les gars. Donc voilà, ça c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Likez, commentez, partagez pour nous soutenir, les gars. On va directement commencer avec la vidéo. Je crois que la première tenue doit être celle-ci que j'ai portée là maintenant. Il va noter et on va voir comment est-ce qu'il va noter cette tenue. Ok, les gars, on se dit juste à tout de suite alors. A few moments later. Ok les gars, je vais faire mon entrée en jeu afin qu'ils puissent noter la tenue, ok? Ouais. Oh my god! Et oui les gars, j'ai déjà mon calepin avec moi. Les nouvelles tenues de Suzanne, je vais mieux les apprécier afin de donner une note. Eh oui, Suzanne, c'est toi que j'attends déjà. Tu es déjà prête? This is the voice! Da, 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 da. Que je me suis collé. Cancre, cancre, mon amour, Pida y Foya. Cancre, cancre. Sometimes I feel like I lost my mind. I'm so insane, oh, your love is so. Tu te tournes tous les armes. Tourne-toi légèrement. Tu me donnes le derrière là. Mais monsieur le jury, vous exagérez. Je dois apprécier. Les gars, vous voyez pas que monsieur le jury exagère. Pas du tout. Voilà. Voilà, tu me fais une carte de tour de ronde. Là. Les gars, je sais que pour avoir la note là, il faut qu'elle s'ouvre pour ça comme ça. C'est bon, Suzanne, c'est déjà noté, c'est déjà noté. Les gars, en attendant que mon mari note, vous pensez que je peux avoir une note de combien sur cette tenue? Dites-moi dans les commentaires, les gars. J'ai hâte de savoir également comment vous pouvez noter cette tenue. Ok, les gars, dites-moi dans les commentaires. On va dire ça, tenue 1. Donc voilà maintenant comment mon mari a noté. Quelle est la note, bébé? 8 sur 10. Tu sais pourquoi je t'ai donné 8 sur 10? Il m'a donné une note de 10, 8 sur 10, les gars. Regardez vous-même. Je sais pas si vous parvenez à voir. Anyway, pourquoi chérie? Non, je te dirai à la fin. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu as diminué? Tu sais que j'aime. Je te donne 8 sur 10 déjà parce que le pantalon, elle est parfaite. Une couleur panthère. Oui. Les talons sont. Bon, c'est les talons qui n'ont pas été vraiment assortis avec la chaussure. Ah bon? Avec l'habillement. Mais la couleur, au niveau de la couleur. Sinon, je t'aurais donné 9,5 sur 10. Ok les gars, normalement j'ai mis cette chaussure juste pour mesurer ses habits. Et ça t'a valu 2 points. Et donc ça veut dire là, les prochaines tenues, je vais bien nu alors. Oui, pourquoi pas. À quoi ça va ressembler les gars? Ok, voilà. Les gars, ce qu'on va faire alors, je vais aller mettre la tenue 2 et on verra quelle sera la note. A tout de suite. Alors les gars, voilà. Voilà ma deuxième tenue. Voilà ma deuxième tenue. J'aurais pu la mettre avec une chaussure comme ça. Ça fait vraiment affritude. Mais je préfère la mettre plutôt avec quelque chose comme ça. Regardez. Vous savez, normalement, la talon, ça donne une belle allure en fait. Et ça arrange la démarche aussi. Et pour ça, je préfère mettre avec la talon comme ça. Que de mettre avec la fritude. Donc, j'espère qu'il va me donner une note de 10 sur 10 pour cette tenue. Parce qu'il aime vraiment les habits qui ont les designs africains comme ça. Donc ça fait vraiment africaine. Ok les gars, allons-y et voyons quelle sera la note. Entre temps, j'attends vos notes dans les commentaires. D'accord les gars, on se dit donc à tout de suite.
Hey, that's pretty good. Il fallait seulement le panier. Tu vois le panier africain là, comme elle peut danser comme ça, non? Il fallait seulement ça. Pourquoi je vais vous danser comme ça? J'attends maintenant, chérie. Non, ça va. Ça va. Je suis sans voix, ma puce. Je suis sans voix. Qui a conçu cet ensemble, chérie? Qui l'a conçu? Le supermarché. Zozo, je sais pas si vous avez. Non, c'est, je crois que c'est autre. Non, je pense que tu n'as pas besoin de faire de publicité. Mmh, mais je trouve ça juste au. Ouf. Ah bon, mais j'ai. Fais mon quinquart de tour là. Danse un peu pour moi. Qu'est-ce que je fais, bébé? Plus rapproché là. Plus rapproché, ça veut dire quoi? Arrête, arrête, bébé, arrête. Laisse-moi danser, s'il te plaît. Les gars, vous êtes d'accord avec moi que c'est un sans faute. Cette tenue, c'est une merveille. Bébé. 11 sur 10. 11 sur 10. Elle est parfaite. Les gars, j'attends également vos notes dans... Chérie, elle est parfaite. C'est parfaite. Non, mais tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est la pénalité. C'est la contravention. Seul le jury doit mieux apprécier la chose. Mais le jury apprécie avec les yeux, pas avec le toucher. Arrête, chérie, arrête. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, Frida et Foya. Voilà. Après, chérie, arrête. Non, c'est pas bien. Non, jury. Non, tu notes, mais tu ne touches pas. Non, c'est pas possible. C'est pas à toi de dire ce que le jury doit faire. Non, c'est tu le jury pour noter, pas pour toucher. N'est-ce pas, les gars? Moi, on va lui donner quand même. Un point pour mauvaise conduite. Non. Attends, ouais, non, je vais encore danser pour toi. Mon amour, we die for ya. Vas-y. Je veux la note d'abord. 10 sur 10. Bon, maintenant tu ne me taponnes plus, d'accord? C'est le jury. Mais le jury est là pour noter, pas pour ça. Ça fait partie des techniques d'appréciation. Ah bon? Ok, les gars, voilà la tenue 3. Suzanne a fait tellement de régime, elle a fait tellement de sport pour essayer de trouver son poids avant l'accouchement. Voilà. Voilà, Suzanne approche déjà l'objectif. Ok, les gars, on va passer à la prochaine tenue, n'est-ce pas, chérie? J'attends, vas-y. Vas-y. Another one. Ah, coucou la famille, voilà la prochaine tenue, je crois que ça c'est la quatrième, si je ne me trompe pas. Donc, j'aime bien ce genre de tenue avec il y a du grillage. Le grillage, ça contourne, je ne sais pas si vous pouvez voir. Le grillage, ça contourne juste derrière là. Anyway, tout à l'heure, au moment où mon mari va noter, vous aurez l'occasion de mieux voir. Donc voilà, c'est en daim. Vous savez, les couleurs daim et les tenues un peu de ce genre, ça donne beaucoup avec ma couleur de peau. Donc c'est pour ça que je préfère mettre ce genre de tenue pour espérer avoir des bonnes notes de mon mari. Donc voilà, on va passer devant le jury maintenant et on espère avoir des bonnes notes. Let's see, I don't decrease, I need to wasabita. I don't want to yamata like a caterpillar.
La se attend de pressa ni de whatsappita. So kankwe, oh kankwe. Bah ça c'est un noir, mais un noir plutôt en daim. La différence avec celui de tout à l'heure, c'est qu'elle est assortie avec les grillages de deux côtés. Grillage tout au long du derrière. Ah, tout au long du derrière. Là, tu me tournes encore. Tourne-moi les reins là, s'il te plaît. Attends, je montre un peu le derrière comme ça. Et comme ça, les gars. Je ne sais pas si vous parvenez à bien voir. Voilà le derrière. Le derrière, c'est tout le grillage. Voilà. Ok. Là, tu vas me faire le même quart de tour. Est-ce que tu es prête? Ouais. Encore. Waouh. Là, maintenant, je vais apprécier la bouche. Encore. Là, tu me tournes ça tout doucement. Ah. Chérie, arrête de me tapoter. Oh. Bon. Comparativement à celle de tout à l'heure qui était la noire tout simple, elle a une note de 10. Là, celui-ci doit dépasser celle de tout à l'heure juste parce qu'elle est assortie avec les grillages. Et non seulement c'est une belle couleur en daim, on ne sait pas si c'est du noir gris ou bien si c'est du noir tout simplement. Moi, je pourrais donner 10 et demi sur 10. Les gars, j'attends les notes dans les commentaires, ok les gars? Vous savez que je ne vais manquer de le dire, ok? Je suis la preuve vivante que c'est possible de faire 3 accouchements, de pouvoir faire le régime, le sport. D'ailleurs, vous m'avez vu avant, quand j'étais enceinte de ma dernière grossesse, comment j'étais pleine là partout. Et vous avez été témoin de continuer à voir comment j'ai maigri. Je suis devenue comme ça. Ok? Ça, c'est trop de travail pour y arriver, pour en arriver là. J'ai juste essayé de reprendre mon poids d'avant, bien que ce n'est pas toujours facile. Ok les gars, ça c'était la 4e tenue. Je m'en vais mettre la 5e. Non, Suzanne. Non. Connaissant toute ta garde-robe, Suzanne, moi je pense que si tu vas continuer encore avec les tenues, j'ai peur qu'on passe toute la journée ici. Ça veut dire que ce qu'on va faire, on doit programmer une prochaine partie. Avec toujours, je noterai tes tenues, Suzanne. Ok les gars. Si tu vas continuer avec cette lancée, Suzanne. J'aurais vraiment aimé qu'on continue parce que j'avais encore tellement de choses à vous montrer que vous ne connaissez pas encore. Anyway, si vous likez cette vidéo au maximum, vous partagez. Si elle atteint au moins je ne demande pas beaucoup, juste 2000 likes. Dès qu'elle atteint 2000 likes, je vais revenir avec une autre vidéo comme ça, ok les gars? J'en ai tellement d'habits que je pourrais. Vous savez que quand on prend du poids, ok, on n'arrive plus à mettre ses habits. Du coup, quand on revient à sa taille normale, surtout comme je viens d'accoucher, là, il y a juste moins d'un an. Chérie, arrête. Au moment où on est enceinte, on ne peut rien mettre de genre habit sexy comme c'est ce que j'ai par exemple là à cause du gros ventre et tout. Après quand on accouche, il faut d'abord perdre les kilos et tout ça. Donc les gars, si vous avez d'autres sujets de vidéos qui vont dans le même ordre, vous pouvez nous proposer en bas des commentaires. Et surtout, nous n'allons jamais cesser de vous le dire jusqu'à on atteint au moins nos 100 000 abonnés les gars. Likez le petit pouce bleu pour nous encourager afin que la prochaine fois nous venons toujours avec des vidéos plus intéressantes. C'est pas ça Suzanne? Exactement, plus intéressantes pour toujours pour vous faire plaisir les gars. Prenez vos bisous comme ça. On vous aime, on vous adore. Et aussi j'avais une proposition de vidéo que je pense faire, mais j'aimerais avoir votre point de vue. Vous savez, j'ai une grande quantité de perruques. Ça peut faire au moins 25 à 30 perruques que j'ai. Je préfère juste porter ce que j'aime le plus, en fait. Donc, si vous aimez voir le genre de vidéo où je mets ma collection de perruques, où j'essaye de voir où vous notez, ça serait également bien. Mais demandez dans les commentaires afin que je vienne avec cette vidéo. Ok, les gars? Donc, prenez vos bisous comme ça. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.